Bienvenue à toi aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je suis pas capable de faire mon intro, ça fait mille fois que je recommence. Mais bienvenue à toi aujourd'hui. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode sur Arc et il y a une bonne raison. Si tu regardes derrière moi, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent. Et je m'ennuyais, c'est long faire ce que je fais et si tu sais qu'est-ce qui se passe en arrière de moi, tant mieux. Et si tu le sais pas, c'est parce que je suis dans la mutation et il y a plusieurs choses qui se font. C'est long ces processus-là, surtout que les Mantis. Il semble que c'est plus long que les Mantis. Et ouais. Alors, j'ai remarqué que dans Scorch Earth, il y avait beaucoup. Oui, c'était un terrain très avec des reliefs et des grandes pentes descendantes. Et ça m'a donné une idée. Je vais essayer quelque chose, d'accord? Mais d'abord, il faut que. Ouais, il faut que je vous explique quelque chose, parce qu'évidemment, je vais devoir faire quelque chose que peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord. Et si tu n'es pas d'accord, laisse-moi savoir dans les commentaires. Et si tu n'es pas d'accord, je suis désolé, j'ai déjà fait la vidéo et je me suis laissé tenter et j'ai succombé. D'accord, ok, maintenant. Petit instant, je vais juste aller ici et je vais aller prendre... il me faut ma scie mécanique. Est-ce que j'ai la scie mécanique? Parce que j'ai quelque chose en tête. J'ai un plan en tête. Patiente un peu. J'ai quelque chose en tête. Je vais vous montrer. Ah! Voilà. Formidable. 205. Et s'il me manque une scie mécanique... Hey, j'ai trouvé que j'avais une autre scie mécanique et... Regardez ça. En passant, scie mécanique. On parle de scie mécanique. Je vais vous montrer une scie mécanique un instant. Qu'est-ce qui est si lourd que ça dans mon inventaire? Ah oui, toutes les piliers que j'ai. Formidable. Ouais. Oui, regardez. Scie mécanique. Non, c'est pas une scie mécanique, ça. Fou, tu flûtes, je trouve rien aujourd'hui! Oui, ok, regardez. Pourtant, c'est une mauve. En français, je me rappelle jamais des noms, ok? Mauve, mais 217. Mais regardez ce que ça coûte. Fou, tu flûtes. C'est quand même assez cher. Mais on va garder elle, puis on va réparer elle, c'est quelque chose. Bon, j'ai ma scie mécanique. Et avec cette scie mécanique-là, je vais prendre quelques amis. Et ouais, je pense que j'aimerais vraiment vous amener. Excusez-moi tout le monde! Ok, donc ouais, scie mécanique et toutes les choses, et j'aimerais prendre mon ami juste ici, et vous allez comprendre, je vous amène, patientez, restez avec moi encore un peu, toi viens t'incer, formidable, et j'aurai besoin encore de lui ici, il est formidable, et Chance, ouais, tu vas me servir de quelque chose, Chance. Viens, Chance. Beaucoup de choses, Chance. Alors, dans le but de poursuivre notre discussion que j'avais commencé... Oh my god, je suis d'un bord puis de l'autre. Je suis trop excité. Mais ça va me prendre du temps pareil faire ça, mais je... Ouais, bref. Je vous explique c'est quoi. Regardez les belles pentes descendantes. Et à quoi je veux en arriver, c'est que... Vous savez, il faut que je vous explique quelque chose. Quand j'étais sur la carte The Island, d'accord, j'avais battu toutes les boss en alpha et aussi l'Overseer. Et quand on a battu l'Overseer, on débloque l'ATV, le camion tech. Et je me suis dit que je devais absolument... J'ai jamais essayé ça dans toute ma vie, de ma carrière de joueur de Arc. Et ouais. Mais d'abord, voilà la chose que vous allez peut-être pas être d'accord. C'est que voici mon raisonnement. Dans ma partie des Island que j'ai dû déliter à cause de tous les bugs et toutes les choses, j'avais vraiment tout... j'aurais été capable de faire l'ATV finalement. J'ai essayé de faire ce cours. J'aurais été capable de faire l'ATV, j'avais toutes les ressources, j'avais plein d'éléments. J'aurais été capable d'aller battre les boss. J'aurais été capable de faire ça. Donc je me donne la permission de faire spawn l'ATV. Pour une raison que tu vas découvrir dans un instant. Mais là maintenant, est-ce que tu commences à connecter les points? Des grandes pentes comme ça ici. Un ATV. Je dois faire des tests, ok? Aujourd'hui, on va juste s'amuser pendant que, évidemment, je fais de la mutation et que je fais toutes les choses. Mais oui! Alors, voyons voir. Alors, j'ai ma scie tronçonneuse, j'ai toutes les choses pour être capable de récolter des ressources et on va aller faire ça puis on va construire une méga rampe. Je suis trop curieux. Faisons ça. Évidemment, quand je vais aller chercher des ressources, il y a plein de mauvaises choses. Donc, un golem, deux golems, une queue là-bas qui branle, que je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, et un autre golem là-bas. Donc, je dois m'occuper de ça. Formidable. Voyons voir. Et en passant, si vous avez un golem, golem contre golem, c'est littéralement le meilleur... le meilleur dino contre les golems. Donc, ouais, c'est littéralement la meilleure chose que vous pouvez utiliser. C'est ce que j'ai découvert. Regardez ça, sérieusement. Voilà. Deux problèmes sur trois de régler. Hey, toi. Attrape ça ici.
Ok, alors voilà, les problèmes sont réglés en partie, je crois. Et c'est ici qu'on va récolter quelques ressources, évidemment, qu'on a. On a de la fibre à terre, on a du bois ici. Et le bois, c'est... Ouais. Citronçonneuse. C'est... Ouais, c'est pas une blague quand on parle de bois. Honnêtement, pour un golem, mon opinion, c'est que... Clairement, la roche devrait même peser 25. Donc, c'est 100, je pense, habituellement dans notre inventaire. 50. Il y a même pas de réduction de pierre. Come on, Ark. Come on, c'est stupide. Oh, man. Un argent à vis va réduire le poids de la pierre, mais pas un rock golem. C'est son élément, la pierre, come on. C'est quoi ça? Ok, on va commencer à récolter les choses maintenant, on est en sécurité. Donc, j'aimerais peut-être... Ah, oh, j'aurais dû emmener mon argent à vis, zut. Ok, j'ai l'argent à vis, voilà. Bon, ok, toi, reste ici, t'es important, d'accord? Reste là. Formulaire. Oh, t'es un nouveau. Aujourd'hui, tu auras besoin d'être ça, mon ami. Voilà. Prends ça. Merci beaucoup. Alors, je pensais faire cette fameuse rampe-là, peut-être... en bois. Ouais. En bois. Alors, il faut que je me mette à la tâche. Ça fait déjà assez longtemps que je parle. C'est parti. J'ai assez de bois, j'ai assez de... Non, hey, reste ici. J'ai assez de toutes les choses au niveau du bois. Donc maintenant, il me manque du thatch. Et qui aurait cru que le dragon, la wyvern, c'était une des meilleures options pour le bois? Le thatch ou la branchaille? Qui aurait cru? Comment? Oh wow! J'aurais cru qu'il y aurait beaucoup plus d'utilité pour cette chose-là qui veut clairement pas comprendre que c'est quoi sa tâche. Mais ouais, le thatch, comment? Hey! Qu'est-ce que tu fais, hein? C'est stupide. Faut pas que tu te sauves de moi, faut que tu viennes à moi. Ok, formidable. Ouais. Maintenant, ça nous prend des choses. Comme ça ici. Ok, je crois qu'on est en bonne posture. J'étais davantage de choses, d'accord? J'étais faire les choses pour les choses. Et avec toutes ces choses-là, évidemment, on va être prêt à commencer à bâtir la rampe. Et j'en ai aucune idée si c'est faisable. Oh, regardez la belle descente juste là, ici, de haut en bas, aller jusque-là. Est-ce que vous avez hâte de voir ça? Oh my god! Ah, ça va être le fun. On aura besoin peut-être d'une cinquantaine, non? Je sais pas, 50? On a besoin peut-être d'une dizaine aussi de fondations, vous allez comprendre pourquoi. Évidemment, ça prend la partie pour débuter. Ok, voilà. On a fait quelques... C'est le début, d'accord? C'est le début. Et... Ouais, j'aime pas... Le terrain est un peu... pas égal. Ça veut dire qu'on va... devoir manœuvrer... Essayons ça! Honnêtement, je sais même pas dans quoi je m'embarque, ok? Formidable. Donc, point de départ. C'est ridicule, qu'est-ce que je fais? Ok, point de départ, comment? Hey! Bon. C'est ici. Non. Ah, oh, il me reste une mantis sur moi. Ok, oh, ah, ouais. Ouais! Ouais. Formidable. Même que je penserais peut-être la faire descendre plus par là ici, donc. Ok. Ok, ouais. Ah, oh, bon. Ok, parfait. Voilà. 5. Oh. Oh my god, les amis. Ouais. Oh, ok. Ah, oh, ça me donne encore plus hâte. Alors, je vais aller chercher les piliers en bas. Je n'ai à ma base, j'en ai plein, ok? Je pense que vous savez pourquoi j'en ai plein. Ouch. Et, ouais, j'en reviens dans un instant. Ok, formidable. Dans lui, ici, j'avais mis... Bon, ok, j'avais des piliers, donc 61 piliers. Ça va être trop lourd? Je vais peut-être plus donner ça. Ouais, ok. Ouais, on est vraiment lourd. Ok. Et, ouais, on doit absolument expérimenter. Donc, 6, comme ça, 6, 6, hein? Pour moi, non. Ok, je vais solutionner un peu. Je vais essayer de trouver une façon de faire les choses. Je vous reviens.
Ok, voilà, je crois que ça devrait être bon. Parce qu'il faut comme qu'il snap en premier ou s'accroche aux rampes en premier. Et voyons voir. Ok, 5. Oh, oh bingo! Là, et je peux y aller à coup de 1, 2, 2, 3, 3. Allez, 3. Ah! Donc, vous vous doutez où est-ce qu'on s'en va avec ça? Avec beaucoup de piliers. Donc, je vais travailler là-dessus et je vous ramène un peu ouais. Pendant que je travaille là-dessus. Quelques étapes, ouais. Beaucoup de travail. Tempête de sable, oh non! Ah! Horrible, Lisa! Ah! Ok, bon. Alors, c'est dans une tempête, pas de neige, mais de sable que je vous ramène. Je vais vous montrer un peu. Ah, les tempêtes. Non, pas les tempêtes, oh my god. Oh, la rampe. Oh, ça fait penser à Evil Knievel. Si vous êtes familier avec ça, vous allez comprendre. Et ça va vraiment vous faire rire. Et on a quand même une bonne descente à faire. Ah, je peux pas courir, c'est horrible. Je peux juste voir. Et ouais, on a quand même quelque chose de formidable, ok? On a une aventure formidable qui nous arrive, les amis. Oh my god, j'ai hâte de voir ça. Et en passant, j'ai jamais conduit l'ATV. Et je peux juste être impatient de l'essayer. Je sais même pas, est-ce qu'il est gros l'ATV? Est-ce que il va avoir assez d'espace? Ouais. Ouais. Et la difficulté que je rencontre, c'est que, évidemment, c'est pas facile nécessairement à construire. Et absolument, je le suggérerais, si vous avez S+, d'utiliser S+, parce que l'angle des rampes qui sont vanilla ou officielles sont pas super. Pas super. Et j'ai découvert que j'ai pas besoin de faire deux rampes comme je faisais au début, mais seulement une va fournir assez de support pour être capable de continuer. Alors je continue tout ça et je reviens dans un instant. Oh, regardez les amis! Regardez la salle juste là-bas. Je vais aller chercher mes choses! Oh yeah, buddy! Regardez la belle ligne, donc en ligne droite comme ça ici. Et je vais prendre le maximum. Je vous en reviens avec qu'est-ce que j'ai trouvé. Ça, c'est formidable parce qu'on arrive avec des super équipements. Et qui sait, ça va nous donner des choses qu'on va peut-être avoir besoin pour le futur. Qui sait? On va voir. Trop facile avec le dragon. Wow, c'est encore plus vite qu'avec le pteranodon dans Sodi Island. Cool. Ok, alors voilà. C'est terminé. Ok, je vais vous montrer le butin. Voilà, j'ai tout mis ça ici. On a des chibis. Un Thylacelayo. Un chibi Karki. Carquinos. What is Carquinos? Alors, ça ici. Un arbalète 544, pas si mal. Des choses comme ça ici. Kentro. Mewing. Oh, les tétines volantes. Et puis, on a aussi Snow Owl. Wow, on a des choses de dope map. Oh. OK. Ça ici, 346. Et qui est extrêmement bon, mais... Ouais. Et ça, les choses qu'on donne au... Oh, gacha, qui sont à quelque part dans la carte. Ils devraient sûrement apparaître un jour. Mais ouais, alors, on se remet à la torche. Oh, regardez ça, toutes les couleurs! Oh! Oh, no way! Ok, un instant. Il est rose, oh my god! That's mine! Oh, je l'appelle Pinky. Oh, Pinky. Il est vraiment pas au niveau, mais je m'en fous. Pinky! Ah, oh, c'est la star, c'est... Ah, oh, j'adore les événements. Regardez-moi ça. Ah! Oh. Ok, tu dois retourner dans ta maison même. Alors, petit aussi développement sur la construction. Alors, ici, évidemment, j'ai dû faire... ouais, ça ici pour diminuer l'angle, mais... Imaginez! Je sais pas qu'est-ce que ça a donné, mais on va faire... Woo! Ok, et... ça continue. Voilà, on est... Bien parti, on a encore long à faire. Alors, je continue. Ok. Ah. Oh non. Il me reste pas assez de ressources, mais... Ça va être le temps de la blague du jour! Et elle va comme suit. Un vol de cigarettes et de carottes a eu lieu dans un dépanneur. Les policiers ont lancé un avis de recherche pour un lapin qui tousse! Oh, lapin qui tousse! Ok,
c'est assez, là. On continue. En passant, il me reste plus de ressources et je dois aller faire un autre truc de ressources. Ah, c'est la chose la plus longue et plate. Oh! OK. Ils sont morts. Oh, l'automne est arrivé. Non, le printemps est revenu. Oh my god. Oh, l'automne encore. Oh my god, qu'est-ce qui se passe avec Ark? Automne, printemps, automne, printemps. Qu'est-ce qui se passe? Oh my god. Oh, mais j'aime. Ce jeu-là, c'est le meilleur. Comment? 1, 2, 3, printemps! Oh my god. Ok, je pense que j'en ai assez. Je crois que j'ai assez. Ok, parfait, on y va. Ta-da-ta-da-ta-da-ta-da-ta-ta. Oh my god, j'ai pas fini. Oh, c'est long. Ok, voilà. On devrait avoir assez de rampes ici, là. Et aussi, je dois aller faire des piliers. Ok, voilà. Ouais, alors qu'est-ce qu'on a? 72? Oh, 72, 72. Quelle coïncidence pareille. Ouais, 72, 72. Je sais pas comment j'ai fait ça. Mais on continue. Ah non, plus que ça, regarde. 79, 72. Ah, voilà. Je crois que j'ai pas mal terminé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Tada! Oh my god, ça a l'air de rien, mais... Allons voir! Alors, on va descendre, descendre, descendre... 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 Encore descendre... Descendre... Descendre beaucoup... Descendre... 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 Remonter... Oh my god, mais c'est quoi ce qui se passe? Regardez l'affrosité! Oh my god, je vois même pas jusqu'au bout! Alors, faisons un petit tour du parcours. Alors, à prime abord, on va prendre de la vitesse. Et ici, j'ai fait une descente, parce que sinon ça, ouais, ça là-bas, ça. Et pour arriver à diminuer un peu l'angle, sinon ça, on serait ramassé dans le désert là-bas. Et à quelques occasions, j'ai dû faire ça ici, qui va nous donner l'opportunité, évidemment, de faire un saut sublime dans les airs et d'essayer de garder le contrôle. Et par la suite, on a un méga jump ici, ou je sais pas si c'est un jump, mais ça va brasser, d'accord? Il va falloir que Lucky se tienne, ouais, dans le véhicule. Et par la suite, ici, évidemment, j'ai fait ça parce que j'étais tanné et c'était vraiment trop long. En fait, il reste quasiment plus de pierre. Oh, ça l'a réapparu. Ouais, et ouais, il y avait beaucoup plus de pierre que ça, mais il reste plus grand-chose. Il reste plus d'arbre, il reste plus rien. J'ai littéralement fait une coupe à blanc et ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Alors, ok. ouais, on a un jump et ça va être formidable. Et là, d'abord, aussi, je dois... on doit essayer l'ATV, je dois savoir à quoi m'attendre. Alors, je vais aller le faire spawn parce qu'évidemment, j'avais dit que j'allais le faire spawn. Ok, ça fait partie de la chose, d'accord. Merci. Alors, le tech ATV, évidemment, c'est quelque... Oh, c'est comme quelque chose que t'as dans ton inventaire. Ok, formidable. Et oh! Oh my god, c'est quoi ça? On dirait que c'est Elon Musk qui a fait cette chose-là. Ok, j'ai jamais essayé. Essayons ça. Oh, il fait un bruit! Oh my god! Il est roux! Il bouge même pas! Oh my god, c'est quoi ça, cette affaire-là? Ça va être terrible! Comment je vais faire pour le montant? Oh! Ça va être impossible! Attends! Oh my god, je vais pleurer tellement que c'est drôle! Oh ouais! Ok, est-ce que je peux le ramasser? Non! Non! Oh! Non! Dino? C'est considéré comme un dinosaure? Attends une minute, no way! Attends! Non. Ok. Oh, attends une minute, je reviens, guys. Attends une minute. Comme ça. Ok, de retour. Oh my god, là, c'est trop drôle. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça. Ok, si c'est un dinosaure, est-ce qu'il peut... Non. C'est considéré comme un raptor! No way! Oh non!
Ok, c'est la meilleure chose au monde. Oh. Ah, c'est long des cryopodes, oh my god. Oh. Ok, ça c'est trop pour moi. Ok, on se revoit en haut. Oh my god, guys. Oh, j'en pleure, c'est tellement drôle. Oh my god. Oh, mes poumons n'en peuvent plus. Oh. Ok, formidable. J'ai fait une mini plateforme pour être sûr d'avoir assez de place pour l'ATV. Et. Oh. Man, c'était gelé, me tue. Ok. Voilà. ATV. Yeah. Oh. Oh my god. Ok. Oh, c'est horrible. Oh, wow. Il brille. Et là, c'est. Oh. Un instant. Je regarde ça puis je trouve qu'il manque quelque chose. Je vais me forcer pour faire quelque chose. Je reviens dans un instant. Alors voilà! C'est ce que. Il manquait un peu de feu! Qui dit des cascades? Alors ça prend du feu, mesdames et messieurs! Et oh my god! Encore plus de Evil Kill Moon. Mais là maintenant, sans plus tarder, je dois absolument essayer ça. Et même le raptor des fêtes est dans le ciel en ce moment. Il fait les choses. Et nous, on doit absolument. Ok. Sans plus attendre, mesdames et messieurs. En troisième ou en première personne? On va commencer en troisième personne. Et après ça, on va leur faire en première personne. Ok, c'est parti. Oh, oh, les roues ne bougent pas. Ok, un. L'objectif, c'est de faire au moins toute la cascade. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs. Oh, oh non. Oh, oh non. Oh non. Non, non, non. Ah, non. Ah, on t'a encore envie. Ah, c'est stupide. Oh my god, ok, on s'en va en haut. Oh my god. Prise 2, mesdames et messieurs, c'est parti. Ok. Ok, Ouais. Ok, oui, on est bien parti, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui. Oh, oh non. Oh, oh oui, oui, ok, on t'a encore. Non. Non. Oh, on peut le faire. Oh. Oh. Oh my god. On est prêt. Ok, attends. Ok. Ok, ok. Très bien. Alors, faut prendre en considération que lui n'a pas de contrôle dans les airs. Alors, on doit vraiment être prudent juste ici. Ok. Premier flip. Très bien. Encore sur la piste. Tout va bien, guys. Ouais, ouais. Oh, on a... Oh my god. Oh, ça arrête pas. Oh my god, c'est hot. Oh god. Ok, encore. Ok. Je dois absolument réussir. Ok. Première partie. En beauté. Ouais. Ok. Oui. Tout va bien, guys. Non. Oh my god. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bye. Ok, on est prêt. Ok. Il semble que je peux pas contrôler dans les airs. Oh my god. Take ATV as lib. No way. Non. Pourquoi que mon truc il peut avoir un level? Qu'est-ce qui se passe avec la vie? Oh non. Est-ce que c'est comme ça? Oh my god! Quand tu le craftes, est-ce que c'est vraiment aussi cave que ça? Oh wow! Oh, c'est formidable la vie. Ok, on va y aller lentement cette fois-là. Doucement, oui. Oh, ok, oui. Oui, formidable. On l'a. Ok, doucement. Oui, formidable. Parfait. Non, oh merde! Oh, on passe au train de pas. Oh. Non, ok. Oh, nice. Ok, je peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Oh, c'est la pire chose à conduire au monde. Yeah! Ok. Oui, guys. Oui.
C'est pas comme que je veux, mais on y va. Oui, dernière. Non, bye. Non. Oh my god. Pourquoi tu continues à tourner? Qu'est-ce qui se passe? Ça parle avec carrément brisé, sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ouais. Yeah. C'est tellement la pire chose qu'on a inventée. Oh, je le déteste. Et puis pourquoi mon camion a un niveau sérieux? My god. Pourquoi? Non, mais... Qu'est-ce que tu fais là, merde? Oh man, c'est la chose la plus broke que j'ai jamais vu de ma vie. C'est littéralement décadence cette foutue affaire-là. Ok, doucement. Doucement. Deux. Ok. Wow. C'est la pire chose à conduire. Oh, non, non. Ok, oui. Ok. Non. Ok, on sait qu'est-ce qui va arriver à pote. Oh. Ah, les roues. Oh. Oui, guys, on l'a. Ok. De reculons. Oui. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Ah. Ouh. Oh, non. Voilà. Wow. Ok, 1, 2, 3, 1. Oui. Oh. Oh my god! Oh, wow, ça a mis le plus grand fail toute ma vie! Oh my god! Alors, les amis, ça va mettre fin à cet épisode-là. J'espère que, honnêtement, vous avez eu autant de plaisir que moi à conduire cette chose-là jusqu'en bas de cette rampe-là. Oh, j'y vois eu du plaisir, sérieusement. Oh, laisse un like, s'il te plaît. Et si tu veux rester encore pour le commentaire du jour, reste avec moi. Et moi, sur ce, c'est tout ce que j'ai pour vous. Et je vous dis... Bye! Alors, le commentaire du jour aujourd'hui, c'est le commentaire de Capitaine Rex qui dit « Lucky, arrête avec tes blagues, s'il te plaît, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. » Sinon, Lucky, quand on te parle de Arc Vert, on te parle d'un autre Arc Vert. Je crois que c'est Arc Park. Je sais pas, sinon, je te propose une vraie blague. Que fait une frite enceinte? Une patate sautée. Oh my god! Franchement, Lucky, continue comme ça. J'adore tes vidéos et j'espère que tu vas réussir à percer sur YouTube. Merci de ton commentaire, Capitaine Rex. Et en passant, je peux pas arrêter de faire des blagues comme ça. Va falloir que peut-être t'ailles à l'urgence dans les prochains vidéos et prépare-toi peut-être une ambulance et quelque chose comme ça. Je suis désolé pour ta santé cardiaque. Merci pour ta blague. Et tout le monde, on se revoit pour le prochain épisode. Et je vous dis bye! Oh my god! C'était horrible.